Re YouTube, putain de VOD qui bug. La dernière partie. Un petit fort là-bas. Et on y va. 3000 mètres, c'est à côté. Pourquoi il me... Un petit brick à HMS, un chasseur ennemi. Je commence à manquer d'équipage, c'est vrai. De métal, je m'en fous. Il me faut des trucs à coup de, tu vois, 35 de bois, 25 de métal, des trucs comme ça. Sinon ça risque d'être trop long. Oh, ça se met sur la gueule, moi j'esquive. Hein. Et pirates, il y a des Espagnols et il y a des Anglais. Salut l'ami! Il est beau ce bateau. Je préfère le 1000 fois naviguer sur un gros HMS ou des trucs comme ça. 158 de bois. Non, on a dit non. À côté? Je préfère 1000 fois naviguer sur ce genre de truc. Oula, l'Espagnol face à une petite frégate. Je me demande lequel des deux va gagner en vrai. Il me faire tirer dessus alors qu'il m'attaque pas moi. Noubidou. Ouais, ça je le ferai hors caméra. Oula, bonjour. Allez, on rentre aux zones interdites, c'est l'heure d'un combat. On a que 4 par rapport au truc d'avant. Ils ont plus de PV quand même. Je vois que dalle. Qu'est-ce qu'il veut lui? Oh par contre, je vais t'envoyer 3 caisses dans ta mère. Ok. Non, 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 on va le démarrer. Ça nous fait de la thune. Et on attaque lui, c'est un fort espagnol, tu vois. Voilà. Non, mais c'est ce putain de briques qui veut me faire chier pour rien. Pourquoi tu dis ça? Oh, y a du butin partout, hein. Allez, c'est parti. Bah, il ne me propose pas de m'amarrer. Non, c'est bon. On atterrit sur terre. On amerrit sur mer. On allune. Alluné. Sur la lune et sur Mars. On amarre
Merci. Et sur Vénus, on a Vénus. Alors, je suis bien pour l'ambiance. Ok, je vais y aller moi. Non, mais c'est une vraie question. Hein. Ça commence déjà. Voilà. Oh, par contre. Mais. Ok. Bon, charge. Il est AFK? Ok, non, c'est bon. Yo boy. Ton pote m'avait tué la dernière fois. Passons sous la table. Hein? Ok, j'ai eu peur. Et ça nous fait une petite région découverte avec un fort, un petit coin et des plein de trucs comme ça. J'ai perdu le nom, mais ouais, plein de trucs à explorer sous l'eau. Et c'est parti pour Castillo del Huega. Regardons si on peut réparer le bateau. C'est pas cher. Ou un flemme. Ou enfin, Soon. Capturer 5 forts. Bah ouais, ça avance. Hein. Ouais, on a eu un fort. Ah bah c'est parti pour les prochains. Trois trucs, 4 de bois, 3 de robes. Vous êtes relou. On va donner des trucs quoi, des vrais trucs je veux dire. Problème de qualité réseau. Non. Rapidement, j'ai combien de trucs de mortier? Ça va. Non, je touche pas frère. Comme ça. Une tempête se lève. Non, ça va. Oui, il est vraiment maniable hein, comme bateau, par contre. Par rapport aux autres gros d'HMS, il est vraiment pire maniable. Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de bateau à l'horizon. Plus un membre d'équipage, c'est bien, hein, on trouve des gars d'équipage comme ça. Je connais pas cette chanson. Bon, c'est long là. Les gens vont croire que c'est long.
Bah, je sais, il y a une île. Je me manque des canons de brûlée. Allez, petit fort. Il n'a pas l'air d'être bien grand, oui. Ouh, si, il a l'air d'être bien grand. J'ai à peine arrivé qu'il m'attaque déjà, quoi. Alors, équipe. Ok, faut faire demi-tour. Oh, je sais pas, je vois que dalle. Ok. Il fait traîner la batte ça au fort, change tes dialogues. C'est bon. On n'a pas mangé si cher que ça. Il faut faire le détour. Bam! C'est des canonniers, c'est tout pourri à détruire. Allez, file. Il me saoule. C'est bon? Merci. Oh bah quand même. Ah bon, ça marche. En plus, c'est dans le bon sens, ça c'est plaisant. Bon, moi j'ai un fort à les détruire, des bisous. Excusez-moi. Bah quand même, c'est important. Pour faire les choses bien. Quoi, zone interdite, mais pas du tout. Allez, c'est parti. J'ai deux officiels à les tuer. Quoi, t'as tiré à travers un gars? Ok, c'est parfait. Le soleil commence à me dire que je vois que dalle. C'est parfait. Et la cabine du capitaine, elle est là. Merci. Oh. Vous m'avez saoulé avec votre fort de merde. T'es que tu pouvais te défendre. Oh, je commence à avoir du soleil de la gueule. J'ai de fermer. Ok. C'est parti. Nouvelle zone. Il y a un fort pour une toute petite zone à gauche.
Un temple maya, qu'est-ce que c'est que ça? Avec des stèles et machin. Quand est-ce qu'on pourrait faire c'est ça là? Je sais pas. Mon dernier effort à les faire d'abord. Je pense dans la cabine du capitaine. On pourrait acheter la cabine. Enfin le truc pour fouiller sous l'eau. T'énerve pas là. On s'en fout les gens. Commercer. Amélioration. Pour rester dans l'histoire. Ok, c'est pas tout de suite alors. Tout beau et tout, puis tout beau. Allez, comme ça on aura libéré tout le côté. Qui est-ce que tu es toi? 80 de Rome, je m'en fous. 4000 mètres. C'est si loin que ça là? C'est vrai que c'est pas à côté. Et puis après. Puis après, je pense que j'irai faire une des deux zones de DLC. Ah, le chat. Je vais faire une des deux zones de DLC, enfin du season pass. Je sais pas du tout comment débloquer cette zone. Je pense que c'était avec ça, mais pas du tout. Bon bref, on a un fort à aller faire à 4000 mètres. C'est parti. Je me demande si les noms de bateaux, vous savez s'ils sont tirés de trucs vrais, trucs faux, enfin. Allez, d'abord. 50 de chaque? Non, 50. On est. My phone est. Un homme à la mer, capitaine! Je crois qu'il bouge encore! My phone est. Eh, c'est bon, ventilo. Il fouillait mon ventilo. Merci pour la thune. Oh. Il y a des hommes. Son bateau il a coulé d'un coup, mais je peux quand même le sauver. Bon allez, dernier fort là, dépêchez-vous. Manoir bloqué. J'aime bien quand je vois beaucoup de poids comme ça. Wally for day, Wally for day of get away. Oh le silence éternel de ces espaces absolus, ta mère. Allez, c'est parti. On se rapproche petit à petit de notre objectif, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je m'inquiète. Allô? À fort sur une île tout seul, niveau 32. Une, deux, je dirais 8, 7, ok. Bon, c'est faisable, non, c'est faisable, c'est faisable. On s'est tapé un 9 tout à l'heure. Allez. Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, il y a une putain de tornade sur leur machin, eux ils disent rien. Genre ça fait pas de dégâts. Bah on est en pleine tempête, into. Into tout, into tout en fait. Capitaine, écoute, il est placé à cet endroit.
Tu es devenu fou, t'as dit? Ok, attention. Ouais, 3 sur 7, mais ils ont tous mangé chaud. Ouais, c'est la merde, je sais. Ok. Arrêtez de faire tourner le tornade autour, là. Ok. Oh, c'est. Je comprends pas pourquoi j'ai pas pris de dégâts là, avec la merde que c'était partout. Il reste que des planches. Mais non, mais c'est un fort, frère. Les dialogues de 2014, non mais où là? Oh, je suis relou. On se dirige droit vers la tête. Gardez les lumières et les perroquets. Allez, on se barre. Non, ça sert à rien. Bonjour, je suis venu prendre ce fort. Alors dans la vraie vie, je sais pas si ça marche. Mais belle référence à Pirates des Caraïbes. Il faisait toujours ça, Jack Sparrow, ouais. Bonjour. Allez, deux. On continue notre aventure. Bougez pas, excusez-moi. Pardon. Je sais pas, ça marche. Et deux, quatre. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on passe à Kingston un jour. Bougez pas. Non, tu m'as pas repéré, tu mens. Allez, faut monter les roues. Mais c'était où en fait, putain. Bon, on va pas te tuer. Enfin si, je vais tuer ton capitaine. Je discutais tout à l'heure avec un gars du fort d'avant, je me suis dit, il y a moyen que je vous tue pas, une solution, un truc comme ça. Et puis là, je me suis dit, il faut appuyer sur une touche. Mais il devrait nous laisser le choix. Parce que vous tuez des gens comme ça, quand ils se rendent. On tue pas les gens qui se rendent. Dernière zone. Et on va aller à Sacrifice Island. Ce que je connais pas du tout. C'est une DLC. Donc on va aller bloquer l'île du DLC. C'est con que t'as un bateau que tu puisses même pas aller dans les cales. Ça, ils auraient dû nous laisser aller. Dans notre navire, en fait, c'est notre navire. Mais c'est pas chiant, on a vu à quoi ça ressemble à Nickel au moins une fois, donc en soi. Tu nous les gens. Oh. Arrêtez de me proposer des cacos 400 de métal, ça me donnera envie d'y aller. Allez, Sacrifice Island. Donc île de Season Pass.
On a acquis il n'y a pas longtemps. T'es parti pour découvrir tout ça? Trésor de Drake. T'as Drake, c'est un pirate? Bon, pour moi, il faisait de la musique, quoi. Un pirate musicien. Ok. Oh, je monte là-haut. Toi, tu vas réveiller tout le monde. Et bon, c'est une belle île, tout ça. Ouais, un petit peu de thune. Et notre oiseau favorable. Préféré, plutôt. Synchronisation. Oui. C'est que de l'esthétique, de toute façon, ce que ça t'apporte. À quoi ressemble notre belle île. Elle est belle. Regarde, maman. La dame. Alors, cette ref que je viens de sortir. Elle est belle. Mais moi, je m'y attendais pas sur cette référence. Ça a l'air d'être de la merde, mais ce que je fais, c'est bien. Moi, ce que je veux, c'est la thune. Ok. Bien joué. On peut se retaper là. Ça marche pas. Moi je me dis ça doit peut-être pas marcher comme ça. Yo boy. Ok, on continue par ici. Retourner à l'oiseau. Elle est pas bien grande cette île, hein, je vais pas vous mentir. Ils sont pas bien grands les trois îles. Moi je m'attendais quand j'ai lu le season pass et que j'ai vu porte trois nouvelles zones, je me suis dit allez, il y a un Kickstone, tu vois, il y a un équivalent Kickstone supplémentaire, et même pas. Yo boy. Excuse-moi, question de sécurité. Nouveau trésor, épée du capitaine. Merci, et il y a un troisième trésor là-bas. Caché. Il n'en reste plus qu'à aller choper le meilleur. Merde, c'est plus haut. Ça a l'air d'être plus haut. Ouais, bah c'est plus haut. Et bah c'est good. Pistolet du capitaine Drake. Par vérification, je vais voir s'il y a des choses bien dans ce genre de coffre.
Allez, on se tire. Allez, bisous. Et où? Ouais, non, mais quand même, c'est chiant. Ok, bah, de toute façon, on va reprendre la mer. Hein. On a fait notre petite île et on peut se tirer. Parcourir la partie sud de l'univers pour découvrir de plus grands navires transportant de plus importants. Ouais, une fois passé Cuba, quoi. Qu'est-ce que t'as comme dialogue à répéter? Honnêtement, j'ai envie d'aller me TP à Nassau et d'essayer de voir avec vous à quoi ça ressemble une petite chasse aux Templiers. C'est parti. Est-ce que c'est comme les contrats d'assassinat? Je sais pas. Il y en avait beaucoup, hein. On va aller découvrir ça. Allez, c'est parti, là. Bonjour, toi. Qu'est-ce qui t'amène? Tu es habillé comme un assassin, mais je ne connais pas ton visage. Je m'appelle Kenway. Je suis venu t'avertir d'une menace contre ton bureau. Ouais, j'ai remarqué que des hommes louches traînaient par ici. Je pense qu'ils travaillent pour un Templier, un certain Hampton. Le crois-tu capable de les éliminer? Oh, je peux en être persuadé. Si tu me payes. As-tu entendu parler des Templiers par hasard? Tu devrais la trouver sur l'un des hommes d'Hampton. Si, je te dis où les trouver. Tu sais te montrer convaincant. Bon, on va l'aider. Ah non, bah, la contrat d'assassin, faut qu'on lui fasse son sort, mesdames et messieurs. C'est de la filature, je suppose. Merde, je savais pas que j'étais en repérage déjà. C'est relou. Yo le boy. Oh, je reste en discrétion. Hein. Ouais, non, vous êtes là. Je reste en discrétion. Hein. J'en ai marre, hein, pour vous parler, je regarde mon retour tout le temps, hein, toujours à mater mon retour. Bah oui. Et pour se retourner. C'est pas bien ça. Wouhou, ils vont se retourner. Non mais arrêtez, ils sont cons. Ils sont morts de rire. Eh. Bon, regarde, les voilà. Ok.
Oh, mais c'est pas toi non plus. Allez, ramenez vos culs. J'adore la discrétion. Je l'ai pas tué, je l'ai bien tranché. Chasse au templier numéro 4. Ah ouais, on va les faire ensemble alors. Ouais, non, chasse au templier, je pense qu'on va les faire ensemble. Ça me saoule de pas avoir cette zone quand même. C'est vrai que c'est un peu chiant. J'ai envie d'aller à Kingston. Vas-y, je vais à Kingston, je m'en fous. On va découvrir Kingston. Elle est limitrophe à la zone difficile, donc en vrai. Et il y a un chasse au templier aussi, ici. Bah, let's go Kingston. Au moins, on visite, on fait les synchronisations ensemble. Ça donne envie, ça donne envie. Pour améliorer la manœuvrabilité. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu plus que ça connecté. Pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais. Et si on peut les détrousser, ouais. Je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un gallois. Allez. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Master Kid a fait allusion à une prise qui m'a l'envie de montrer vers l'eau. Master Kid. Sur la péninsule de Yucatan. Et il va partager avec nous. Il n'y avait que Xari et Étoile sur les coches jaunes. On peut rigoler. Je ferais mieux d'aller le voir sans tarder. Tant qu'on récolte notre moisson de prise en chemin, l'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Toulouse. Même le cap sur Toulouse. Moi, je vais mettre le cap sur Kingston. Ouf. Oh, j'adore. Oh, mais hors caméra, je vais juste passer ma vie à aller péter des bateaux. C'est les Anglais qui combattent les Anglais là, ou c'est un navire espagnol? Ah non, c'est un navire pirate. Excusez-moi. Pas de problème, hein. D'un coup, une tempête comme ça, par plaisir. On fait bien le tour comme il faut, ouais. Vous savez qu'il y a cette dernière map de DLC aussi ici. Mystery Island. Beaucoup de frégates proportionnellement en Manowar. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour madame. C'est une baleine. C'est un vie. Oh là, la belle ville de Kingston. Yes, on doit rejoindre ce lieu. Je sais même pas si dans la campagne on découvre ce lieu. Kingston, 6 partitions, 18 coffres, 13 fragments. Et il y a un oiseau.
plein d'oiseaux, pardon. Qu'on va aller découvrir maintenant. Écoutez, on va même aller tenter l'entrepôt. Allez, c'est parti. Je suis sur le chemin. Toujours pas de sarbacane caché ou de conneries ou de machin. J'ai envie de le tenter en discrétion absolue, cet entrepôt. Ok. C'est lui qui a la clé. Ça aurait pu, putain. Ok. Nice, bien. Chut. T'en fous. Mais... Ça c'est chiant. Quoi? Non. Je me suis fait repérer. Le seum. Arrivé de renfort, bah ouais. Là j'étais en full discret et tout, j'ai un peu le seum. Ok. Là j'avais vraiment un truc, hein. Il y avait un départ. Allez. 35 de bois, ouais, on se met bien par contre au niveau de la cargaison. Ouais, moi je me tire, vous m'avez saoulé. Mais merde, j'ai même pas pris l'oiseau. J'y pense. Vous savez qu'on devait faire les synchronisations ensemble. Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Et ça nous fait déjà une petite zone. Et on se rend compte que c'est pas petit l'endroit. Mais que ça donne envie d'être exploré, bien sûr. C'est parti, il y a des avions qui passent. Ça indique le début de l'été, quand des avions passent au-dessus de chemin. Parce que, en été, ils prennent une autre route, donc c'est l'aéroport d'Orly. Ça prend une route, ils passent au-dessus. Et donc, du coup, quand j'entends un avion, je sais que c'est le début de l'été. C'est un joli message. Un petit moulin. Il est beau, le moulin.
Moulin à vent. Base de données. Ils veulent m'expliquer ce que c'est un moulin à vent? Ok. Ok, non, ça passe. C'est parfait. Et je pense que c'est le point le plus haut. C'est un joli point. Au cul d'un moulin. Pas de dégâts de chute. On va les faire lui. Je m'en fous. Vas-y, sonne l'alarme. Fais ce que tu veux, ce que je veux. Moi, c'est la tour d'observation. Je joue sa tour, hein. Je suis bloqué. Il était là, il était là. Non, je pense pas qu'on puisse rentrer par là. Faut regarder sur la gauche. Il n'y a pas un moyen de rentrer ici. Non, pas de moyen de rentrer ici. Par les arbres. Maintenant, de Lowen's Points. Et comment on monte sur l'arbre originalement? C'est chiant ça. De ce que je vois, je peux pas monter. J'aime pas bien ça. Ok, il y a aucun endroit où monter, je crois. Bon, bah c'est pas grave, changeons de zone. Ah mais putain, il y a encore des putains d'entrepôts là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu? Entrepôt rempli, ok. Non mais il doit y avoir un moyen de rentrer quelque part autre. La flemme de chercher. Ça m'enlève de barre, ça fait plaisir. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? Des bisous YouTube. C'est tout, des bisous YouTube.